c'est la vidéo choc qui devrait faire la tour de la toile mardi 8 juin 2021 et dans les jours à venir. Emmanuel Macron, en déplacement dans la Drôme, a été giflé par un individu. Dans un court extrait, on voit le chef de l'État s'approcher de plusieurs personnes et venir discuter avec l'une d'entre elles. Alors que le président de la République lui tend la main pour le saluer, l'homme utilise son autre main pour gifler le mari de Brigitte Macron. La scène s'est produite en début d'après-midi. Emmanuel Macron venait de quitter le lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage. Il est ensuite monté dans son véhicule pour rejoindre le centre-ville de Valence et déjeuner dans un restaurant en terrasse. Il a toutefois interrompu son cortège quelques mètres plus loin pour aller saluer des badauds qui le réclamaient. C'est là que celui qui se serait défini comme anarchiste auprès de Quotidien, a giflé le président de la République. Dans la vidéo diffusée rapidement sur les réseaux sociaux, on entend nettement à bas la Macronie. BFM Télévision annonce que deux personnes ont été interpellées. Jean-Luc Mélenchon réagit. Le président de la République effectuait dans le département de la Drôme la seconde étape de son tour de France des territoires. La semaine dernière, le locataire de l'Élysée avait démarré cette tournée dans le Lot. Une source proche du dossier a indiqué à nos confrères de BFM TV que deux personnes auraient été interpellées. Les proches du chef de l'État ont quant à eux confirmé l'authenticité de la vidéo. Jean-Luc Mélenchon, pris dans la tourmente médiatique ces dernières heures suite à des déclarations polémiques, a rapidement réagi. Cette fois-ci, vous commencez à comprendre que les violents passent à l'acte. Je suis solidaire du président, a écrit le leader de la France insoumise sur son compte Twitter. Twitter.com/AlexPlil/1402237903376367. À voir aussi, une star du JT de France 2 écartée de l'antenne suite à une vilaine découverte. T.Kalir aussi adblock test, why?